Et non pas 2, et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 40 et non 2 de cette aventure sur Baldur's Gate. On s'est laissé sur un énorme cliffhanger qui vous a duré quelques jours, pour nous a duré une semaine. On a attendu C'était très longtemps, insoutenable. et C'était encore un intolérable. connard qui était parlé à quelqu'un alors qu'il fallait pas. Bonjour. Bonjour. Oui, ça va. Ah, mais peut-être que voilà, c'est lui, hein, c'est lui qui aurait dû dire bonjour en premier, c'est lui qui a fait la connerie. Encore! Bonsoir! Faut que je reste dans le perso, c'est important. Ouais, bonsoir. Ouais, ça. Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on lui dit? On va lui dire, va bien te faire foutre. Non, on va lui dire. Vous venez pas? Vous voulez pas assister au dernier acte? I certainly do. Ah, ouais, d'accord, c'était cryptique, hein. Dans ce cas, joignez-vous à moi! Ouais, on trouve ça. Allez, viens. You have numbers enough already, I think. You'll want a small force. If you ah, mais c'est pour qu'elle soit dans ton groupe. Mais bah, on est déjà 4. Ah, mais c'est bon, au moins, elle se ramènera au camp. Ah. Et tu pourras lui piquer les épées. Oh, let's go. Bah, attends. On descend dans la tour creuse. Oui. Eh ben, ouais. Hop là. J'ai quand même mis Featherfall au cas où. Merci. Mais qui n'a pas accepté? Moi, j'ai dit oui. Mais il y a encore quelqu'un qui parle à quelqu'un. Alors un moi, voleur j'ai rien a fait, fait des poches des gens par ici. Allez. Attends. Attends, oh mais j'aurais pu lui rendre, je lui ai volé littéralement 3 pièces d'or. Attends, mais je vais lui dire. Je te l'avais dit. Mais qu'il est chiant. T'aurais je dû faire un nain. Oh là là, mais. Je veux même pas regarder ça tellement ça me. Vas-y. Attends, je vois pas. C'est chaud, les gars. Hein. Ah, mais non, mais moi je savais pas les bonus que t'avais. J'ai dit ça au pif parce que c'était vraiment rigolo comme. Allez, c'est bon. Et allez, hop, on clique, on saute tout de suite avant qu'elle fasse tout. Voilà, ouais, avant que tu t'ajustes à te bagarrer avec les persos qui sont censés être nos potes. Il y a des gens qui veulent pas. Soul. Mais oh non, évidemment. Va nous parler à tous. Parce qu'elle va parler à tous. Oh, oh tiens. Mais non, tu lui as rendu combien? 3 PO. T'es sûr? Mais oui, je lui ai volé 3 pièces d'or, on lui rend que 3 pièces d'or. Ouais, alors, moi je me suis déjà retrouvé à voler genre un œuf pourri et j'ai à devoir payer 3000 pièces d'or donc. Ouais, mais tu non, payes mais parce que... l'amende. C'est ça, là c'est pas l'amende, on lui a rendu. Regardez cette majestueuse, ce majestueux personnage. Arrête, on va sauter les japonais. Moi je suis la première. Non, je te parlais pas de toi, je te parle du. Oh, il a sauté la tête la première quoi. C'est black. Non, alors ça s'appelle les pieds, hein. Oula, t'es. Pour un an, ouais, c'est pas proche. Les pieds, la tête, c'est pareil. Hein. Ah, oui, d'accord, super, ouais, c'est ça. J'ai deux têtes et un pied. C'est vraiment dégoûtant. Voilà. Bien, yam. Et en plus, j'ai pas mangé, je crève la dalle. Quelle idée? Ouais, bah, cadeau de Noël. On peut pas se reposer ici. Ah, je passe un temps mais monstrueux à la Fnac. Oh! On peut casser le mur devant nous. Ah bah alors si on le fait pas, de toute façon on va rester bloqué un long moment. L'épisode va pas être très très intéressant. Voilà, c'était la fin de l'épisode, on est bloqué. Let's go! On lui pète la gueule, on est d'accord? Bah ouais. Bah il est vraiment. Aucun indiqué pour ça. Non, vas-y, tue les tous. Mais grave. Qu'est-ce que vous faites en avant là? Voilà. Bah tu l'as pas tué toi. Bah non, mais j'ai tiré avec mon arbalète, c'était pas suffisant. Voilà, ah, il y a un autre plus loin. Ah. Il y a tout. Il y a Beta au Schnock, moi je peux pas aller là. J'y vais. Ouais, vas-y, on se rapproche. Ah, il y en a encore un deuxième. Ah, oh, parfait, ils viennent à domicile. En plus, ah oui, taper. Ça fait plaisir ça. Pourquoi y a un squelette là? Parce que c'est mon squelette. Ah ouais. Monsieur a un squelette. Bah, tu te souviens pas que. Non, mais c'est quand j'étais. Pas, oui, mais c'est. Là, ici, j'ai juste chopé une couronne qui me permet de faire un squelette. Mais dès que je peux choper le sort avec avec le Warlock, t'inquiète, je vais y aller à donf. Mais je crois que tu peux stack je sais pas combien, j'avais vu un mec, je crois qu'il avait invoqué, je sais plus, 8 ou 9 zombies et 3 momies, enfin c'était n'importe quoi. Attends, si tant que j'ai des potions de repos, moi je peux invoquer le sort en boucle.
Oh là là. Et à chaque repos, je peux lancer, je pense, une ou deux fois le sort, je crois. Donc, si j'ai les potions, si j'ai deux courts repos, t'inquiète, ça y va. Tu bats ton LM aussi. Ah non, mais t'as aussi un, t'as un objet qui te permettait d'invoquer des. T'avais un objet, non, qui te permettait. Oui, d'invoquer... j'ai une couronne. Bah, c'est le, c'est celui-là. Non, non, non. Au début de l'aventure, quand on était chez les Gitianki. Attendez, 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 parce que là, on va vers la quête. Vous voulez pas aller de l'autre côté? On peut aller de l'autre côté. T'avais fait pop, je sais pas, 6, t'avais fait apparaître 6 squelettes. Ah non, mais ça c'était un sort. C'était un sort, ça. Oh, c'est dégueulasse. Hmm. Il y a 140 XP qui se balade, là, vite. Non, non. Moi d'abord. Toi, c'est la chasse aux œufs version globe. Il y en a plein là. Waouh. Attends. Il y a du loot, sa mère, par contre. Hein. Il y a quelqu'un, on peut parler à quelqu'un là, regarde. Ah il y a Shop. Commençons par parler à Shop et ensuite on tue tout le monde. Voilà, oh. Moi ça va, c'est super. La chasse aux œufs de Pâques reprendra après, les gars. Oh, il y a un ours en peluche. Il y a Coupe-Coupe. À côté de Visser. C'est qui Coupe-Coupe? Bah, je vous laisse lui parler. Cette créature est une coquille vide entièrement soumise aux caprices de la conscience collective. C'est un élève. Je peux le tuer, mettre fin à sa misérable vie d'esclave. Je peux pas faire en sorte que ce soit notre bête et... Ah, je peux essayer. Vas-y, insiste-toi dans ses conseils. Chop, cut, sort, shiver of impact, crack of bone. He removes the brains, digs free the squirming tadpoles. The unworthy ones given over to the illithids to become. Bon appétit. J'ai vraiment la dalle. Tu veux des biscuits avoine chocolat? Ouais, vas-y, j'arrive. J'en ai plus, j'ai tout mangé. Oui. Ça me tapait 13 heures de route, peut-être pas. Hein. Juste pour des biscuits, ça fait beaucoup quand même. Ouais, bon, ouais. T'as juste à aller à Ikea pour en acheter, quoi, donc bon. Ah oui, c'est vrai que là, par contre, c'est à 15 minutes de chez moi. Il y a 3 mètres. L'un des trois. Il n'y aurait pas, lui aussi. Faut mettre un peu de souffrance, quoi. Of one mind, four little feet, dancing to sing. Vous avez vu le cadavre dans le mur derrière? Ouais, sympa. Ah, ouais. Bon, ben, je l'envoie rejoindre toutes les malheureuses créatures. Yes. Yes. Please. Voilà. Ah, il veut en plus qu'on le tue. Bon, bah on le bute ou on a parlé à tout le monde, là, c'est bon? Après, le gars, c'est pas vraiment le best job de ta vie, quoi. Là, 3, 2, 1, parti, paf! Oh là! Quoi, tu veux quoi? Il y a du monde. Oui, oh. Eh ben non, ah putain. Je voulais être le ninja. Mais taper sur le mec, non. S'il se retourne pour te mettre un taquet dans la bouche, je rigole. C'est largement probable. Non, du coup, hey, c'est quoi ce zoom dégueulasse là? Pourquoi j'ai un gros plomb sur le. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Voilà, et je reprends la musique. Je peux pas aller le taper l'autre là, il est trop loin. Ouais, mais je peux le tirer dessus, tu me dis. Alors en même temps, c'est quelle idée de partir. Ah ouais, 15 dégâts quoi. Ah non, monsieur, c'est. Mais arrête, ouais, c'est ces zooms dégueulasses là! Tu vois, clair, ça a pas changé depuis la dernière fois, les... c'est les trucs hey, stylo, là. Les morceaux moi, du. M'en fous, j'ai plein de PV! D'ailleurs, dans la nouvelle difficulté, il y a une option pour automatiquement. Pour plus avoir à setup toi à la main le fait que. On demande à chaque fois qu'il y a une réaction, quoi. Et ça, c'est vraiment pratique.
Ah non, 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 moi je veux choisir les réactions que je fais, hein, donc... Oui, justement, t'as une option, que ça soit automatique en fait, le fait qu'on te demande. Ah oui, mais... et pas que t'aies besoin d'aller cliquer, tu sais... Ah, donc en gros, peu importe la réaction, on te demande, quoi. C'est ça. En même temps, t'arrives à un niveau du jeu, tu as tellement de micro que... Ah non, mais tu vois, typiquement, quand tu fais une attaque... comment ça s'appelle, Reckless en français, là tu sais, les attaques de barbares où t'as avantage, là. Bah, ouais. Et bah en gros, typiquement, tu t'attaques de base, et si tu loupes, il te demande si tu veux faire une attaque reckless à la place finale. Ah, il le faisait pas de base, ça, déjà? Si! Je sais pas, je sais rien. Si, si. J'ai pas joué avec un barbare avant. Hein. Ouais, moi, j'ai joué avec un barbare, c'était rigolo. Il y a un petit cube en bois d'enfant. Alors, si tu veux faire si tu veux faire vraiment un barbare overpété, tu fais Wild Earth, et le cœur de l'ours, pom, pom, pom. C'est n'importe quoi. Mais maintenant, on peut envoyer aux gens qui sont dans le camp. Hein, quoi? Ouais, on peut envoyer les items à Alcine, à Karlak, à Gale, à Will. Oh, oh putain, ça va être encore plus chiant de trouver des gens. Oh. Oh. En attendant, j'envoie tout à venir. Oh, j'ai un... Oh, c'est dégueulasse. Ah, tu me laisses même pas profiter de ma demi-molle. T'as trouvé quoi, au fait? T'as appuyé sur ça et t'as une douche de sang qui arrive. Quoi? Ah, mais c'est dégueulasse. Ah, en même temps... Ah, j'ai trouvé une autre porte de chair. Un petit peu, quand même, sur l'antichambre de l'horreur. Ah non, mais c'est vraiment... Ah, il a de l'XP. Ah ouais. Ah, c'est le... Qui a lancé le combat? Ah, c'est oh non, cette fois c'est moi. Pour une fois que c'est pas moi. Ah, je me délecte du fait d'en avoir rien. Oh shit. Oula oula oula, il court si vite. Il court, le... Comment il s'appelle lui? L'horreur ailé. L'horreur ailé du bois joli. Bref, joli joli... Ah par contre ton truc, ta Protect Ward, c'est de... C'est quelle sous-classe ça? Attends, j'arrive. C'est mage... Les Jidarkalik, c'est une spécialité de mage particulière, quoi. Ouais, c'est pour ça que je suis... Je suis d'abjuration, moi. Ah là oui. Pourquoi y'en a 10 milliards qui sont billes, là? Bon, je dis, ça va, c'est pas grand chose. Mais pourquoi j'arrive à toucher aussi facilement, là? Normalement, à chaque fois, je galère ma race. Ah oui, non mais j'avais pas vu qu'ils se font chier là. Merci hein, d'avoir fait un bouchon les gars, parce que maintenant je peux plus passer. Attends, je peux me déplacer encore? Ouais, mais c'est bon, je vais sauter par-dessus tout le monde. Non, t'as pas besoin de sauter, on va juste se déplacer. Attendez, vous avez vu qu'il y a un espèce de boss là? Oui, moi j'allais faire une nuée de dagues pour qu'ils arrivent tous et qu'ils se prennent des dégâts, quoi. Bah oui, mais ça n'empêche que moi de toute façon je vais avancer là. Maintenant tu peux passer? Oui. Voilà. Parfait. Bon, alors, lui. Bon, bah, j'ai manuel de dague. Je pense là-bas, là, je peux peut-être en changer 3 d'un quart. Hein. Bah, là où il y a l'élémentaire de feu. Là où il y a quoi? Mais. Pourquoi tu. T'aurais pu la mettre là? Bah oui, mais sinon, ils allaient tous taper l'élémentaire de feu et pas passer à travers, ça sert à rien. Le but, c'est d'éliminer toutes les petites merdes qui vont se ramener au prochain tour, quoi. Ah, je peux pas, faut que je me déplace, j'ai pas la ligne de mire. Ah si, là je l'ai. La ligne de Mulmire ? Ouais, j'allais la faire. Ouais, c'est la ligne de Mulmire. Oh là, oh là là. Oh, nice. Allez. Bien joué ça, la bonne boule de feu là. Ça fait plaisir. C'est dans ces moments là où le mage est utile là. Là c'est tes spells, ils sont shiny. C'est mon élémentaire, là. C'est mon élémentaire qui a fait ça. Ah bon bah... Comme il y avait un pote juste à côté, je me suis dit allez, c'est le moment. J'ai non, pas vraiment après. Envie de gâcher mes spells maintenant, sachant qu'on peut pas faire de repos dans ce... Ah si, là on peut faire un repos. Non. Hein, on est dans une zone rouge parce que je vois pas de rouge autour de la minimap. Ah bah moi, tu vois pas de rouge autour de la minimap. Alors, je vous explique, c'est parce que j'étais sur mon invocation pour ça. Ah. Non, mais pourquoi d'ailleurs la minimap elle fait pas genre une taille monstrueusement grande là? Non. Par contre, on peut la dézoomer vachement plus. Oui, elle est quand même très très grosse la minimap là. Non, moi elle est comme avant. Voilà, par contre, changé, hein. Moi ce que j'aime bien c'est que je peux la dézoomer vachement plus et je préfère ça. Alors, moi je sais pas, mais elle prend quand même un tiers de mon écran. Ah, mais d'habitude t'as pas un mode pour la réduire? Non. Moi j'ai ça d'habitude.
T'as un mode pour réduire la minimap ? Ouais, il y a un mode better minimap. Voilà. Et genre, donc tu peux choisir la taille ? Ouais, ouais, ouais. Bah là, mais en fait, moi, j'ai ce qui est cool, c'est que j'ai des modes que je peux laisser, genre... comment ça s'appelle ? La top bar, j'ai directement, toutes les AC des mobs qui sont écrites dans la top bar direct, par exemple. J'adore la nuée de dague, c'est un plaisir. Ah ouais ? Ouais, bah attends, regarde, je te vois un screen. En vrai, j'avoue, c'est plutôt pratique. T'es obligé d'inspecter les mobs. Et pareil, les buffs et les debuffs, ils sont marqués dedans aussi. Alors, les buffs, oui, ils sont de base dans le jeu. Non, mais en gros, si t'as des conditions, etc., ça sera marqué. J'ai eu un zoom sur le booty de la créature. Et alors, il était beau ? Un peu sanglant quand même. Oh putain. Attends, j'ai des. Ah, bon. Il est là, le Death Shepherd. Par contre, oui, c'est ce que disait Mulmire tout à l'heure, c'est totalement vrai, on ne peut pas passer. Attends, moi je m'avance. Ah, bon, c'est dommage parce que là, les deux devant. Ils ont 8 et 10 PV, hein. Bah, vas-y, parce que je vais les finir, j'ai un cleave. Tu veux pas en laisser un pour. Non. Alors, je peux. Si, ça aurait été bien pour Atémir, comme ça il aurait eu une action en comment plus. Comment ça? Et là, regarde, il y a plein de souffreteux. Ils ont combien de PV? Bah, je t'ai dit, 10 et 8! Ah, ouais, bon, ouais, non, mais regarde, attends, fais-toi, regarde! C'est bon, ils sont morts! Il n'y a pas de problème. Il avait fortitude, l'enfoiré. Tiens, bah attends, regarde, il est mort. Ah, mais j'ai dit qu'il meurt. Mais. Il est increvable ce truc. C'est quoi, j'ai un second souffle. Il a déjà eu deux fois. Je vais reculer. Il a peut-être un. Il avait peut-être méga fortitude, et en gros, chaque fois qu'on le mettait à 0 PV, il revenait à 1. Ça me fait chier d'utiliser un spell comme ça. Bah, laisse-les venir, ils vont passer dans la nuée de dague, ils sont tous quasiment OS. J'ai bien aimé quand même les deux qui se sont précipités dedans et qui ont eu l'impression de se prendre les pieds dans le tapis et se casser la gueule devant la zone, c'était rigolo. Bah ouais, mais c'est. Moi, j'ai ce truc là pour. C'est typiquement le sort qu'il te faut dans ce cas-ci, quoi. La fin d'Adar, elle fait aussi bien et elle est vachement plus grande et elle te file des. Elle est vraiment mieux. Hein. C'est moins poétique. J'aime bien les bras aussi de Adar. Non, ça existe. Tous ces trucs en AO, ça arme Adar. Ouais. Ouais. Non, ça c'est les tentacules des Vards où je crois que tu peux. Il tombe, il meurt. Il tombe, il meurt. Et voilà. Alors attends, je vais cleaner. Tu veux pas utiliser de sort du coup, Arda, c'est ça ? J'utilise que des cantrips. Non, mais il reste que un PV. Oui, mais je vais balancer Nao. Attends. Ouais, mais regarde si. Ah, tu me diras, ça coûte 2 kills. Ah, mais j'ai ça, c'est gratuit. Vas-y, j'ai un spell gratuit. Ah, là, sinon, moi je leur balance une bombe. Hein. Non, mais j'ai un sort. J'ai mon élémentaire qui peut aussi faire de la. Ah, il va les shatter. Bon, vas-y, attends. Est-ce que je peux en prendre un pour taper sur l'autre? Oh non, t'as. Ah, bah, je les ai tous tués là, donc. Parce que tu peux prendre le zombie qui est à côté. Oh, let's go! Oh, vas-y, attends, regarde! Tiens, vas-y, hop là! On fait la passe! Je l'ai jeté dans la nuée de dague! Le berger de la mort, il est résistant à tout! C'est pour ça qu'on va pas le taper, on va taper l'autre plutôt. Sauf. À la force et. Résistance à la force. Ah, bah parfait, je vais pouvoir lui mettre des sorts de. Putain, c'est Dark Vador qui va être. Radiant sur la gueule! Ouais. Il est résistant vraiment à. Ah mince, excuse-moi, j'ai bloqué le passage, je voulais passer Lui il va passer dedans sans aucun doute, tu vois, mais c'est plus. Après, tu me diras, il a 3 PV. Tu parles de. Bon, pour une fois que j'ai fait un sort qui a carry le fight, je suis heureux. Hein. Non, mais il lui reste 50 PV, enfin ça va, il va crever, tu vois, genre, je peux pas tout. Oui, bah, parce que toi, le chou traîne, de toute façon, tu lui mets déjà 2 milliards de points de dégâts dans la gueule. Non, mais je vais arrêter de dépenser de la ressource si on peut pas faire de repos, c'est ça que je veux dire, tu vois. Des short rests, on peut en faire, mais pas de long repos. Mais je sais pas combien il nous en restait de short rest. 2, je crois. J'ai aucune idée, comment on peut pas regarder. A votre avis, la matrice profane là, est-ce que ça rechargerait pas genre des zombies ou ça lui préférerait pas un petit truc? De quoi tu parles?
Tu vois le gros gros cylindre là, matrice profane, lié à une matrice profane. Alors non mais la matrice profane c'est le symbole, c'est, tu vois pas qu'il y a un espèce de gros pentagramme dans un cercle d'invocation et tout là? Ouais mais je me dis, et si on les casse, est-ce que ça affaiblirait pas le gros monstre? Écoute, je ne sais pas, tu peux essayer. Moi j'ai pas capté leur intérêt, hein. Dans ma première run, j'étais là, je fais j'ai tout cassé et... Qu'est-ce que t'as lancé? Bombe. Est-ce que ça diminue un petit peu ces... Oh c'est vrai que j'ai les méga bombes, j'avais oublié ça. Bah oui, t'as les bombes que t'as volées à l'autre là-bas. Là. Ouais, et j'ai toujours pas explosé. C'est vrai que tu es toujours vivant. Ah, par contre, dans ma run solo, et en gros, il fallait que je récupère avant qu'il fasse je sais plus quel. Mais s'il les activait, bah ça m'aurait pété dans l'inventaire. Et vu que je les ai récupérés avant, bah ça m'a pas explosé à la gueule. Allez, un petit mètre en plus, t'abuses. Alors, est-ce que je passe 100 points de dégâts? C'est la question. Je teste. Je peux avoir les deux? Aïe, j'ai fait bobo. Je ne peux pas avoir les deux avec le même spell. Ah, c'est fâcheux. Est-ce que tu veux pas... Tu viens ou pas Ah, t'es bien. Même en sautant par-dessus, ça fait des dégâts. Ouais, mais si tu sautes là... Bon, en même temps, comme t'es là, il va commencer à te marrer la gueule, donc je peux l'annuler, hein, le sort, s'il faut. Non, mais j'arrive. Attendez. C'est savoir si je lui mets un petit... J'avais une urgence répondre à... Ah là, il est au sol maintenant. Profitez. Ouais, oui, parce que je lui ai mis aussi... Je sais pas qu'est-ce qui l'a fait tomber, mais moi je lui ai mis... Je lui ai mis un rayon de chine. Bah ouais, moi je lui ai fait un trip attaque, donc... Bon bah voilà. Ouais, ça... Quoi, il est déjà mort? Bah attendez, j'ai mis un coup. J'ai même pas le temps d'en mettre deux, alors calme-toi. Le mec, il avait 200 PV, le machin. Mais non, il en avait 50, il était nul. 50, c'était naze. Voilà, lui il est mort aussi. Là. J'ai bien fait de pas gâcher mes spells, tiens. On a encore un court repos. Putain, mais ils ont rien ces mobs, c'est nul. Bah, j'ai plus de spell moi. Moi, il me reste une action. Ouais, il me reste quasiment tous mes sorts. J'ai gardé. Enfin, un. Ouais. Tu penses que c'est pas en mode si tu fais rien péter, que t'allumes les lanternes, etc., il y a peut-être une arme. Je sais pas, ce que je te dis, moi j'ai tout explosé et ça a rien fait, et donc je sais pas s'il y a un truc à faire ici ou si c'est juste de la déco. Après, il y a peut-être un truc si t'es en mode full illicite à cet endroit là. Hein. Je suis encombré, ça fait chier ça. Bah, je te dirai ça, hein, quand j'arriverai ici sur ma deuxième run. Tu fais une run full illicite là? Ah ouais, bah là je suis Darker, je full illicite, pas de respect quoi, c'est. Hein, quoi? Ouais. Pas, hein. Bah après. Je peux pas faire d'élixir. Bah c'est vrai que pour le coup je teste pas trop ça. Alors si tu peux avoir accès. Je suis pas parti jusque. Enfin, j'ai eu un peu la flemme d'être illicite à vrai dire, mais bon. Ah bah après je l'ai fait parce que ça me semblait pertinent dans le. Mon perso qui fait je me sens invincible. Oh, ça a l'air sympa là où t'es là, y a des trucs qui brillent et tout. Ah well. Hop là. Comment t'es allé là? T'as sauté? Ouais, j'étais moi. Ah oui, c'est vrai, on peut sauter là, regarde. Hein? Comment ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, je sais pas, mais moi je l'ai vu bugger, c'était très rigolo. Écoute, mais je sais. Attends, mais je suis toujours bugué là. Non? Tu me vois où? Ouais, bah je te vois là. Quoi? Le passe-muraille. Tu l'as vu ou pas le passe-muraille là? Ah oui, je t'ai vu tomber dans le trou et après te re-tépé devant moi, j'étais... Quel enfer. Ah, j'en peux plus. Il fait des trucs bizarres là, de Monk, hein, j'ai envie de dire. Mais je suis... moi je suis dans le futur, moi. Oh, j'ai trouvé. Ah, je te file ça, Katox, et paf. Les gars, je... Non, j'ai surtout trouvé le truc qu'il avait sur l'œil. Il y a pas mal. Quoi? Bah, tu sais, le au tout début là, dans le cercle des druides là. Mm-hmm. Il y avait un petit tiflin qui avait un patch sur l'œil là. Il y avait un truc de pirate là. Ah oui. À quatre feuilles. Ouais. Bah, je l'ai trouvé là, son cache-œil là. Il y a pas le petit tiflin malheureusement. Oups. Dommage. Est-ce que vous voulez apprendre un peu de lore ou pas?
Bah pourquoi pas. Willing mind. Et après tu parles à la tête, c'est ça? Pardon. Would it need to phlegm all over Lord Gortest during my first performance, would it? Ah, et tous les cerveaux que t'as, tu peux les foutre là, du coup? Ouais, bah ouais, les trucs... Right. A jester, are you? Ah, you must be vying for the Lord's patronage, too. He heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. A little over my head, being honest, but the Lord has gold. I trust he knows his business. Now, I'd best warm up. Truly? And my ma said the singing would come to naught. Thank you, thank you! Ok. C'est lequel celui-là? C'était Willing Mind, je crois. Mince. Ah, je t'en ai filé un, Katox, tout à l'heure, parce que je pensais que t'allais le faire. Esprit massacré, je veux bien le mettre, mais faut enlever l'âme éveillée, non? Ouais, attends. Every day he comes. Every day for 3 days. To ask me how I feel. I want to tell, but I am confused. Which day? Je sais pas. Elle a dit quoi, merde? Allô? Je suis arrivé où elle disait qu'elle était confuse, donc j'ai un peu loupé le tout début. Ouais, ça. Tous les jours. We are his pets, his plan, Lord Gortash. Hein? Ah ouais? Bon, ouais, on commence par 1, 2, 3. Ouais. Yes, 5 days since he put that thing in my eye, but the first day he came to visit. He says I am the last, that the other subjects have all changed. I hurts, head hurts, but he says I am past the worst of it. That I won't change like the others. He's given me a place of honor, so he can repeat his miracle and a name. True soul. She whispers in my mind. She sings, praise the absolute. Separate cells. I never saw them, but when they changed... My head! I can feel them in my head! Ah, c'est sympa, hein. C'est ouf. Yep. Ça a l'air vachement positif. Bon bah voilà, un très bon moment, toujours dans la joie et la bonne humeur, j'ai envie de dire, on reste dans la thématique. Ah bah, vu le lieu... Est-ce qu'on a récupéré les têtes du premier acte? De quoi? Alors oui, mais je crois que moi j'en avais et je les ai vendus. Je crois qu'elles sont au camp, mais Katox est encore en train de parler. Alors là je vois une nouvelle salle. Il y a un truc à toucher. Et tu... Est-ce que vous me rejoignez? Oui. Prends, j'ai un truc... J'ai un truc qui donne un avantage au test physique, mais un désavantage sur les jets de sauvegarde contre les attaques mentales. C'est peut-être pas une bonne idée dans les élitides. Ça se tente, hein, mais... Peut-être l'envoyer au camp. Mon avis, c'est... Ouais. Moi, quand j'avais vu... Pourquoi mon perso, il peut pas sauter, genre? C'est pas trop lourd? Ça y est, c'est bon, ils ont équilibré le bonk. Non, mais genre, je suis coincé, je peux plus bouger. Tu veux que je te jette? Bah, non mais je ne peux pas que c'est pété. Je ne peux rien faire. Bah, y a que ça en save et en reload, peut-être que c'est... Ça bug juste. Attendez, mon perso a bougé. Non. En fait, je pense que c'est l'endroit où je suis, ça lui plaît pas du tout. Descends et essaye de le jeter. Tu peux retenter de faire un save? Vas-y, surtout tenter de te jeter.
Alors... Bonjour monsieur. Oula non, c'est trop loin. Bah non mais jette-moi à côté, c'est pas grave, jette-moi là. Ah tu veux... J'étais dans le gouffre, je pense. C'est pour déconner. J'ai perdu des PV quand même. Bah oui, c'est pour ça que ça... Oh, allô, deux PV, ça va. Ah mais là j'étais par terre, je pouvais pas bouger. Okay. Voilà, c'est bon. Tu peux refaire des potions, ça sera cool. Okay. Ah, ça a marché. Merci. Putain, je suis d'un secouriste. Exactement. Ah oui, je suis prêt, toi, c'est vrai. À la base. Ouais, c'est mon boulot normalement. Y'a un truc qu'on peut toucher, c'est parti. Yata! Attends, j'envoie des popos à quelqu'un. C'est quoi le truc au milieu là? La console prend vie et un esprit entre au contact avec le vôtre. Un esprit venu d'un autre monde et empreint d'appétit impérieux. Mais néanmoins fragmenté. Dans son sac, le mec il a plein de potions de soins, t'inquiète. Hein. Il va se prendre 2 PV dans la gueule. Ouais, j'en ai encore 33 des potions de soins, donc oui. Ah, voilà, je pense que. Allez, bah let's go, hein, je vous laisse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça fait quoi si on clique dessus? Ah, c'est encore une énigme où il faut réfléchir. Alors par contre, celle-là, moi je la trouve vraiment très très chiante, hein, donc je vous laisse faire. C'est-à-dire que moi je veux bien, mais... J'ai pas tout compris ce qu'il fallait faire. Hein. Y'a des trucs à manipuler? Bah je sais pas, moi j'ai essayé de... Ah mais c'est sur Katox! Bouge Katox, tu peux te déplacer? Eh quoi? C'est Katox qui est en train de faire les passages là. Bah je sais pas, y'a des trucs qui clignotent, alors moi je clique dessus. Hein. Ouais, non mais c'est ça, il faut que tu fasses Bah ouais, t'as compris le principe, je pense. Attends, t'as fait quoi là? Mais pas, il y a de la lumière, je clique dessus. Alors, regarde, au moins je t'explique ça et après je te laisse te démerder. Mais genre, le violet cerveau, il faut qu'il aille sur le cerveau violet, il faut que le crâne tête de bouc aille sur la tête de bouc en face. Ah, chacun ouais, des quatre éléments. Chacun des quatre éléments, tu dois l'amener de l'autre côté du passage et tu ne peux prendre qu'un chemin pour une couleur. C'est marrant qu'il soit fait chier à coder des trucs comme ça quand même. Ouais, alors cette énigme là, vraiment, moi j'ai passé du temps, ça m'a saoulé. Bon. Ah, bah t'es parti, Katox ? Bah en fait, je. Ah merde, il se remet pas à zéro, comment on fait pour enlever des points maintenant ? Tu peux le reset, je crois, dans une des options de dialogue. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Bon. Pendant qu'il y a ça. Bah, partez explorer, hein. Bah, tu bah, peux après, pas le truc. Ah ! On la mémoire, elle va jusque là. En fait, c'est. Le C'est une quête pour Will, la quête là-haut, c'est pas du tout. Moi, je pensais que c'était la suite, mais en fait, non. Bah, c'est... techniquement, si, c'est la suite. Bah, non, la suite, ça a l'air d'être. C'est la suite, c'est Kaeferic Thorn, c'est pas... Oui, mais alors, je te vais pas te mentir que c'est sur le chemin. Ah, le nord, c'est la suite? Bah, vous regardez la gueule de la map, de toute façon, là, on a plus de... Là où on est, on est arrivé en bout de map, on est obligé de repartir vers le nord pour... Ah oui, c'est juste, ça va ouvrir un coffre et puis c'est tout, quoi. Attends, parce que ça, c'est... La partie qui est... Mais c'est là, ce truc, d'accord. La partie où on était, c'était celle-là, là. Là, la map qu'on a déjà vue, c'est toute cette zone-là. J'ai très envie de Misty Step de l'autre côté de la porte, hein, vous pouvez pas imaginer. Hein. Ah, tu peux? Bah... J'ai entendu essayer. Oui, je peux. Ah non. Notre... Ah, ils ont réussi à patch... Ah, il y a un endroit où il y a marqué son bon sang. Attendez. Vas-y. Attendez. Attendez, je me rappelle plus, c'est F10, c'est ça? Ouais, c'est F10. Ça c'est sympa, ça, comme... Ah bah, voilà, ça fait le train de Misty Step. Ah, t'as réussi à faire les gars de chemin? Eh bah, bravo. Pas très compliqué. C'est... Je suis géographe, à la base. Mais ça me dit quelque chose, cette petite pierre, là. Ah oui, alors, oui. Bonjour. Ça te demande bien... Cliquons sur la petite pierre. Bah j'ai cliqué dessus. Tiens, ça c'est pour Ardarin. Tu sais qu'il y a des gens qui font des psychic damage ou pas? Si je fais un jeu de sauvegarde, oui. Quoi? Attends, je suis en train de parler à la pierre. Je t'expliquerai. Où est la pierre en vrai? Je
sent très autocratique. Just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design, the restoration of the Mind Flayer Empire. Non, bah, Arda, je t'envoie ça aussi, ça fait des dommages psychiques. Ça peut peut-être t'intéresser. Bon, bah. Je t'envoie deux trucs si tu fais des dommages psychiques. En gros, ils sont en train mais de te dire que. L'Empire élitiste, il est méchant, il veut contrôler tout le monde. Waouh, on s'en serait pas douté. Si tu réussis. Ah ouais, ils sont bien, ces gants. C'est les gants là, Brain Drain Gloves, que tu lui as filé. Gants de ponction cérébrale. Ouais. Ouais, ça ressemble à ça. Ah, c'est pareil, je t'ai filé. Psychique, vous infligez également fatigue mentale, mais je fais pas de dégâts psychiques. On va remonter vers l'épée des confins. Si t'en faisais. Je t'ai dit que oui, j'en fais sur des jets de sauvegarde. Après, soi, l'épée te permet de faire des dégâts psychiques, hein, donc. Après t'as le circlet que je t'ai filé, il est pas mal je pense pour toi, ça te heal. Je reviens, je vais lance juste... Un spell. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, mais quand l'un de mes sorts mineurs inflige des dégâts à l'heure actuelle... Ouais, oh putain j'ai eu trop peur, les mobs je les ai vus revenir à la vie. Mais rebondir. Ouais, je fais des dégâts supplémentaires. Mais les gars, il y a 140 XP qui se trimballent là-bas. Ouais, ah l'attaque ouais, tu sais, récupérer des PV, Mais vous êtes parés, vous n'avez pas attendu. Bah tu vas pas assez vite. Mais vous me filez des items, moi je regarde ce qu'ils font. Et vous me cassez. Ah le truc c'est que comme on te les a donné, nous on en a plus. Donc on peut continuer. Mais vous êtes chiés. Mais on n'est pas... Alors, 140 XP. Est-ce que vous savez comment on fait pour remettre des objets dans sa barre de dans sa barre en bas là? Je viens de drag and drop un spell mais en dehors de la barre et c'était pas fait pour. Quoi les réactions ou autre? Non c'est c'est l'attaque à distance, c'est un peu chiant ça, pratique. Bah tu vas dans ton livre de sort commun. Oh, à défaut c'est L et puis t'as dedans, t'as tout ce qu'il faut, je le fais souvent, je drag and drop sauter loin, d'ailleurs je vais bloquer ma barre de sort, je vais encore le faire dans pas longtemps. Je reparle à une tête hein, si jamais. Ouais mais il est parti. Bah on a trouvé une tête de l'autre côté de la porte en fait. They destroyed us for it and kept me as a trophy. I never broke, but I've spent all these centuries awake. Aware. So here is my offer. Use your tadpole, erase me, and I will pass my technique on to you. Allez. Ah, c'est un moine! Attends, tu penses que je peux lui parler de moine à moine? Ah. Alright, the gate did not find my monastery. I led them there. They promised me immortality, and they gave it. Oh la bête. As her agitation swells, so does her latent psionic power. To your tadpole, that guilt and terror are almost fragrant. You realize the Illithids locked her away not as a trophy, but as a fine vintage. Please, touch my mind and purge it. The moment you do, my knowledge will be yours. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Ah bah tu feras ça dans ta run, hein. Mais je sais pas, c'est un moine. Moi, je veux bien prendre son savoir, on sait jamais. Tu remarques que ça passe. Ah putain, mais maintenant que tu m'as. Thank you. Let's go. Wait. Prends le regard de psychopathe. Clairement. Alors, t'as gagné un truc? T'as gagné quoi? Eh, hey, Mind Barrier. Oh, hey. Bon, rappelle plus du buff. Barrière mentale. Avantage sur ses jets de sauvegarde d'intelligence. Ouais bah c'est pas comme si j'avais 10 en intelligence donc Ah, c'est bienvenu d'avoir avantage. Ouais j'ai avantage, j'ai pas de bonus donc
Putain, je croyais que ça filait un bonus, merde. Il y a encore plein d'XP sur pattes. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas l'air si mal l'épée là que je viens de drop là. Il y a des gens dans des culs. Ouais, pour je pense pour un warlock ça peut être pas mal. Ouais, il y a aussi des dévoreurs des mind flayers dans des culs surtout, ouais. Ah non, là non. Oh, il y a un gars, super belle armure, dis-moi. Ah ouais, j'arrive. Mind flayers. Ah mais vous venez pas dans la salle? Mais vous êtes où? Bah dans la salle. Bah dans la salle. Normalement. J'arrive. Ah, vous avez déjà fait la chasse des autres packs? Ouais. Ils sont toujours là. Bah non, dans la salle, on les a pas tués encore les autres packs, mais avant, oui. J'arrive. Vous savez qu'on n'est pas si loin du level 10, hein. Dans 2000 XP, hein. Finalement, c'est quoi 2000 XP? C'est genre 15 œufs de pack. Oui, c'est 15 œufs de pack, ouais. C'est bon, je suis là. Ah, attention! Il est là, on peut commencer à toucher à tout. Attends, il faut que je change de mélette. Avant de faire des conneries. Juste, j'ai un anneau à changer. Bon. It's okay, quand vous voulez. Bah, on commence à cliquer partout? Bah moi je tape un Dactylec Dévoreur, je sais pas vous mais... Vas-y, tape. C'est fait. Non. Ah si, un œuf de pack. Oh. Ah. Le gars qu'on cherchait là, garde corbeau, il était là-dedans il y a pas longtemps. Ouais, il a signé, il a mis ses petites initiales. Bah non, c'est le... Enfin, c'est... Quand j'ai cliqué sur le truc, ça m'a raconté l'histoire du gars qui était dedans avant. 150... Ça se rapproche... Ça se rapproche... C'est dans quoi, ça? C'est dans le reflet d'acide, non? Attends, 2000 XP? Mais non, mais moi j'ai plus que 1200 d'XP avant mais parce le... Parce que vous votre niveau avant le nôtre. Niquez-vous. Ah oui, c'est vrai que vous êtes les deux nécessiteux d'XP. C'est ça, moi il me reste 1600 encore d'XP. Ah, moi je suis pas nécessiteux de la taille. Attendez. Je suis dans... What? Quoi? Bah, au score, je suis bloqué, j'ai le menu... Bah, il faut cliquer du coup. Mais non. Genre j'ai le menu en fait du jeu qui s'est affiché, et là je veux mettre Resume et ça marche pas. Et... Ah. Escape? Non, y'a rien qui marche là. Bah, appelle quelqu'un, elle revient, c'est pas grave. Oh non, il va passer le tout. Bon, attendez, main menu. Ah non, d'accord, j'ai le. Oh là, le jeu il est pas content là. Bah, ouais, bon. Fais Alt F4, elle revient, c'est oui, pas grave. Oui, c'est ce que j'ai fait. Attends. Il y a une petite pause et on se retrouve. Incessamment qu'on peut. Et qu'il est revenu. Bon, oui, ou tant pis, ça continue, il va revenir dans 2 minutes. Hein. J'avais juste ma réaction, je sais pas si la réaction... Moi j'ai une réaction, ça bloque le truc. Non mais là c'est à toi, c'est non, toi c'est ta réaction. Oui, c'est bien ce que je dis. Du coup, ah donc... Non, la tienne elle a rien fait et enfin la tienne Mimir elle a rien fait et là c'est la réaction de Arna. Ah d'accord. Moi j'attends sagement que tu reviennes. Non mais vas-y, j'arrive. Ok, bon... trois pauvres votre pack. Faudrait l'éloigner pour qu'il ait pas l'XP. Regarde, j'étais à l'autre bout de la map en train de récupérer un bonus pour l'intelligence et j'ai quand même plus d'XP que toi donc. Voilà. Il y a les sourasses et il y a les autres. Mais va bien te faire foutre. Mais il parle de sourasse alors qu'il fait 1m50, il va se calmer là. Ah ouais, mais regarde, ça n'est pas la taille qui compte dans ce cas de figure. Ça te rassure surtout, ouais. Ah bah oui, alors, après bon. Fuck. C'est bon. Mais c'est vrai qu'il y a des illicites dans certaines portes là. Ouais, ça fera de l'XP. Si on arrive à les ouvrir. Putain, mais attends, mais level 10. Attends, on est même pas à l'acte 3 et on va déjà être level 10 là. Bah après le but. Encore, c'est ces trucs là qui se zoom à la con. Non, mais c'est plus à partir de. Ça veut dire qu'on on va arriver bientôt à un moment où. Putain, il est perpète le dernier là. La fin de ta phrase c'était ou on ne va plus Pexé. Bah on a plus de vrai. Allô. Bah Pexé. Ah il a dit ça. Ouais. D'accord ok parce que moi j'ai juste entendu digitaliser et paf. Mais il est loin le con. Mais au secours là qu'est-ce qui se passe?
Et c'est moi où ils ont ressorti une autre édition encore plus, plus collector que celle qu'il y avait avant. C'est moi ou on a perdu Atémir? Oui, on est d'accord, Atémir. C'est pour ça que je disais depuis tout à l'heure, je l'entendais plus parler donc. Ah, c'est pour ça que je suis sur perso que je peux le diriger. Ah, bah oui, j'ai crash, il dit j'ai crash, rip. Ah, ouais. C'est, alors, ses sorts, est-ce que je peux foutre la merde dans ses sorts juste pour l'emmerder? Tout mélanger. C'est pas cool, mais moi je te dis oui, vas-y. Mais tu dis ça, mais je peux te diriger aussi. Non, 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 mais moi je suis en train de charger là. C'est. Finalement. Oh, en plus, franchement, sans déconner, moi j'ai 40 milliards de sorts, ça va prendre ouais, 3 heures ça. Lui. Il a deux. Il a deux pauvres trucs qui se battent en duel. C'est bon, il est revenu. Non, mais, il est reviendu. J'ai une attaque au corps à corps, si c'est mon tour, taper quelqu'un et c'est tout. Hein. Mais il est trop loin. Quelqu'un, il est loin. Mais tu lui tires dessus, j'ai un arc, ça passe. Ou passer juste mon tour, enfin genre ils font d'autres dommages, on s'en fout s'ils jouent pas, c'est pas grave. Oui, c'est ta quête, c'est déjà fait. T'es... Ah bon, bah parfait alors. C'est... De toute façon. Mais j'ai pas, genre j'ai les plombs qui ont sauté. Je sais pas pourquoi. Ah oui, carrément. Ah ouais, genre il a fait tout noir dans l'appart et lumière tout d'un coup, j'étais en mode bah qu'est-ce qui bah. S'est passé. Ouais, c'est bah, bizarre alors... ça. En mode, j'ai même pas eu besoin d'aller juste au disjoncteur quoi, genre. Ouais, t'as juste une grosse baisse de temps, quoi. C'est... Ouais. Oh là là, 650 XP. Y'a quelqu'un à la répartition électrique dans la zone où t'es qui doit se chier dessus. T'as dit combien pour toi? 563. Ah, donc j'ai bien perdu. Par contre, j'avais autant d'XP que toi avant. 1123, quoi. Bordel. Ouais, faut que je retrouve le jeu maintenant, faut que j'aille dans le fou. Attends, j'ai perdu 100 d'XP par rapport à toi, c'est quoi ce... Ah non, 100 il a dû avoir une inspi ou une connerie comme ça que t'as pas eu. Ah oui, c'est vrai. Ils sont tous en train de parler. C'est les Game Awards ce week-end là. Ah ouais? Bah je crois que c'est le 7 il me semble. Ah moi j'ai voté, j'ai fait, dès qu'il y avait Baldur's Gate j'ai voté pour, hein, je vais pas mentir. Moi j'ai même pas voté. Voilà. Oh non, moi franchement j'ai voté parce que je serais vraiment dégoûté que ce soit des jeux pourris qui aient des awards qui reviennent, moi je trouve. Bah je sais pas comment on fait. Honnêtement, bon il fallait connecter sur le site et voter, à chaque fois t'avais une sélection de jeux et tu votais pour celui qui te semblait le plus correct. Il va mieux cet épisode sort avant, spoiler ce sera pas le cas. Allez voter. On les libère ou pas alors les gens dans les pods? Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse hein. Bah si, regarde, il y a Atémir et t'as un appareil à côté de lui. Là, à côté de moi, il y a un illicite dedans. On doit pouvoir cliquer au moins sur le papier. Let's go. Bah là, on a le choix. Soit on ouvre les potes, soit on ouvre pas les potes. On ouvre les potes. Mais on les ouvre, ça fera de l'XP au pire. Ça fera de l'XP, allez, clique. T'as tout compris. Non, j'ai pas envie de l'eau d'une partie, j'ai envie de rejoindre le salon 14. Open the door. And a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet elithid, terrified, desperate to escape. Hey, mais c'est notre copain. C'est pas Zevlor qui est là. The device is open to your tadpole's command. Mais ils ont été infectés s'ils sont là-dedans. Ah bah manifestement oui. Allez, j'ouvre les caissons. Oh, je peux purger les caissons? Non, oh. Ouvre, on veut de l'XP. On les tapera au pire. Ah, trouver molle. Trouver molle, trouver Zevlor. Ah bagarre. Hey, il est où molle? Je sais pas où est molle. On va passer l'hypo. Bah ça dépend, faut voir combien d'XP on a en tuant un. Par contre, pourquoi j'ai pris autant de dégâts moi? Parce que t'es nul! T'as pas été touché. Hein. Hein pourquoi j'ai sauté? Lani. Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai sauté comme un teuteux dans la barrière de dague. Bah oui.
Ça a pas dû aider. Tu lui as mis. On va bientôt faire un Enchantress, je suppose. Bah, allez, maintenant, prone, on a avantage. Ah, tu l'as mis prone aussi, le tien. Ouais. Je peux pas lui taper. Zevlor, cavalier des enfers en exil. J'aime bien quand même. Sur les Illithids, on en a mis deux par terre. C'est encore nos potes, ils sont pas encore méchants. Ouais, ouais, ils sont avec. Par contre, Moll s'est perdu là. Mais Moll, il est où? Bah, Moll, ça doit être un Manflayer. Hein. Là. Alors là. Je vois pas. Bah, justement, c'est bien ça le problème. C'est le fait de ne pas le voir implique potentiellement que ce soit un Manflayer. Oh, c'est un détail. Comment ça se dit Manflayer en français? Flageur mental. Ouais, ça se tient. C'est beau, hein, t'as vu. Des avantages hein, sur les mobs prone. À distance. Comment ça, c'est impossible de se. Ah, voilà. Oui, alors. Bon, je te laisse le gars à 5 PV devant toi. Louper un truc, un Eldritch Blast, faut vraiment y aller quand même. Ah, manifestement, par contre. Le carreau d'arbalète, c'est plus simple à louper. Ah ouais, mais ça, en même temps, je suis absolument plus. Oh, mais. Attends, mais elle tabasse elle là, il y va là. Bon, le coup. Et bah, ça, c'est une. J'éplore! Putain, un Mind Flayer, c'est autant de pex qu'une petite. Un œuf de pack. C'est que 140? Ouais. Ouais? C'est que 140. Mais c'est un bébé Mind Flayer, ils viennent de naître. Et alors? Ce qui me fait chier, c'est qu'ils vont monter un niveau, eux, là. Putain, que toi aussi, tu vas te sentir. Ça, ils vont monter le niveau, et nous pas, quoi. C'est exactement ce que je pense. Quoique, Arda va se retrouver. Genre, il va lui rester 3 pecs. Ouais, moi, ça va être la même, ça va être la il même. Il va lui rester, genre, 3 XP, si c'est 140 chaque mob. Il va lui rester 3 XP avant de pouvoir passer son niveau. C'est quoi, ça me ferait plaisir. Sérieusement, ouais. Au moins, on n'aurait pas l'impression de se faire avoir tout de suite. Bon, par contre, faut passer son tour. Hein. Oh zut. Il va encore profiter un peu des quelques derniers instants de son niveau 9, ça se comprend. Allez, hop là. Mais arrêtez ces zooms sur les cadavres, c'est dégueulasse. Mais ça c'est que toi, moi j'ai jamais de. Non, en fait c'est que pour les gens qui font du record. Là c'est ça. T'as un gros zoom sur le bouti d'un flageur mental, c'est immonde. Bravo. Hey. Après de toute façon en leur causant on va peut-être avoir la fin d'une quête ou je sais pas quoi non. Ouais. 93 XP. Dites-moi qu'ils ont survécu. Vous les avez abandonnés, je vous le rappelle. Ah oui, c'est vrai, quelqu'un. Et tout ça par votre faute. Boum. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Plutôt ce qui s'est passé. On va pas l'accuser tout de suite. You've heard some of it, I'm sure. That I froze or broke or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power, everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. Eh ben, moi je pense que ça mériterait de se faire purger ça. Hein. Tout ça pour de l'XP. Until I realized what I'd done. Perhaps I fought. I don't recall. Either way, I was deemed unworthy of becoming a true soul. I won't make excuses. I can't make amends. But I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ouais, Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace.
descend and show him how wrong he is. C'est ce qu'on t'en faire, tu sais. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Je suis plus pour l'option 2. Non, c'est un connard. Je préfère le faire mourir face à Kate. Bah, c'est un peu de sa faute si les parents de Arabella sont morts. Hein, donc, bah, clairement, en vrai, c'est un connard. Genre, le mec, il était. Enfin, attends, il s'est proposé en tant que défenseur de tous les gens dans le cercle des druides, là. Et sous prétexte qu'on lui a montré un peu de pouvoir, il était en mode Ah oui, je veux dire méchant. Allez, donnez des cessiteux là, curez-vous le nez pendant que regarde notre XP. Bah, on avance, hein. Exactement. Nous aussi, on va à la recherche de notre XP. Ouais, allez-y, ouais. 418, hey, tu sais que potentiellement je passe mon niveau avant toi. Hein. Hey, vous savez quoi? Je pense qu'on peut peut-être arrêter l'épisode là, comme ça on fait le passage de niveau dans l'entre-deux épisodes et on fait pas chier les viewers. Ah ouais, c'est comme vrai. Ça, quand nous on va monter un niveau, on va refaire la même. Bah, ouais, mais nous ça va plus vite. Hein. Et puis c'est toujours plus agréable de s'arrêter dans l'entre-deux. Sur ces bonnes paroles. A plus. J'ai 205! Au revoir. Au secours. Tuez-moi.